Bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je vais être bref et simple. Cette vidéo est spécialement dédiée à MC Marie-Claude. Tu es une sorcière. Oui, tu es une sorcière. Quand vous avez entendu il y a quelques années de cela que j'avais enceinte une fille qui était enceinte de 5 enfants, c'était bel et bien de MC Marie-Claude qui m'avait menti, qui m'a fait croire qu'elle est enceinte de moi de 5 enfants parce que je n'avais pas de papiers. Moi, il voyait mes papiers. Je me suis rendu compte que c'était faux parce que je lui ai donné la radio, l'échographie des enfants. Elle m'a ramené une échographie de souris. C'est pas tout on dit, mais aujourd'hui, je vous dis ça parce que vraiment, il y a mal au cœur à la place de celui avec qui elle est mariée. J'ai laissé un signe Marie-Claude parce qu'elle était mariée à ses seigneurs, puis elle sortait avec moi, je ne pouvais plus de cette relation, de partager une femme qui était mariée. J'ai commetté ce qu'on appelle l'adultère. Et elle le sait, commettait l'adultère. Mais c'est le truc qui peut arriver. Et je demande pardon à Dieu. J'étais dans l'erreur. Je sortais avec MC Marie-Claude, ça fait 3 ans aujourd'hui. Pendant qu'elle était mariée, elle sortait avec moi. Que je vais parler avec ses chinois, pourtant j'aimais bien ses chinois à cause de son football, c'est quelqu'un qui était très talentueux. Ses chinois jouaient à Créteil. Il a connu un simarito pendant qu'elle sortait. Moi, elle me trompait avec ses chinois. Et quand je suis dit me tromper, il a laissé tomber. Et elle a continué sa route avec ses chinois. Quand elle était fort dans le football, il a continué son chinois au Mans. Au Mans, il est parti avec MC Marie-Claude, il a marié MC Marie-Claude ici à Abidjan. Du moins, on l'a transféré au PSG. Et moi, une fois à Paris, dans une circulation, moi et MC, on s'est réunis, on s'est réunis, et puis on a commencé à ressortir ensemble pendant qu'elle était mariée avec le gars. On est resté dans ça pendant des années jusqu'à. Et pendant qu'elle sortait, moi, je sortais encore avec 2 gars ici à Abidjan. Ici. Un noir, dont je ne peux pas dire le nom, et puis un Libanais, dont je ne peux pas dire le nom. Quand je suis que j'étais dans le faux camp, je me suis retiré. Le pauvre gars travaille, il joue son football dans le froid, dans l'hiver, comme un chien pourri, tous ces millions qu'il te donne. Toi, tu prends pour te tenir les gars. Bon, ça au moins, on peut essayer de comprendre. Même si Marie-Claude, pendant que moi, j'étais laissé, tu es allé faire un enfant à un Libanais, en ce moment. L'enfant est né en 2015. On est en 2016. C'est en 2016 que ce Seigneur a su que tu le trompais avec un Libanais. Du PSG, à quoi les temps l'ont chassé du PSG parce que tu lui as donné le gourmet avec moi. Il se concentrait plus sur son football. Ils t'ont même convoqué au PSG. Ils l'ont chassé du PSG ou ils l'ont vendu, je ne sais pas. Il est parti jouer en Angleterre. En Angleterre encore, il était en première division. Il jouait, tu fatiguais tout son esprit. Aujourd'hui, il est descendu en D2. Des deux mêmes qui jouent là-même. Aujourd'hui, nous avons la forme. C'est selon la plus de club. Parce que le petit n'est pas concentré sur son football. Tu as gâché la vie du gars. En baisant avec des gens partout ici à Abidjan. Excusez-moi les enfants qui regardent cette vidéo. Excusez-moi du mot que j'emploie. Mais ça me fait vraiment mal. Tu as joué avec nous tous. Comment tu peux aller tomber enceinte du Libanais? Et tu fais croire à ce Seigneur que tu es enceinte de lui. Bon, l'enfant dans les ventes. On ne sait pas quelle couleur l'enfant. Tu te caches, tu vas accoucher à Accra. Et tu appelles ton mari, ce Seigneur en Angleterre, pendant qu'il joue en D2. Hein, après, toi, il joue en D2. Que non, ouais, t'as accouché, l'enfant est mort, l'enfant n'a pas survécu. Comment tu peux jouer de la vie des gens comme ça? Comment tu peux mentir à ce point? Pourtant, tu sais que l'enfant a envie. L'enfant vit à Kumasi chez ta maman. Maintenant, il a pris droit maintenant de ça. Il ne joue plus là. Il a pris droit de ça. Et maintenant, tu as réglé ça avec Dieu. Même pas avec lui, tu as réglé ça avec Dieu. On est toujours pour le voleur, toujours pour le propriétaire. Tu fais du mal, mais tu le payes sur cette terre. Tu es une sorcière. C'est pourquoi j'ai attendu des années avant de faire cette vidéo. Quand ils sont derrière, quand tu as pris ma maman, tu as mis la même dans une maison. 300 000 francs loyer. Tu as payé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu n'as pas disparu. Tu n'as pas laissé ma pauvre maman dans ses problèmes. C'est moi qui suis venu enlever ma maman dans ses problèmes.
n'y a pas des millions, peut-être comme ton mari, mais peut-être plus de millions que lui. Hein. Je ne suis pas pauvre, mais tu me suffis. Mais tu es une sorcière qui t'a payé ça. Tu m'as pourri, tu as essayé de pourrir ma vie. Mais grâce à Dieu, je dis là, je suis l'homme le plus influent d'Afrique. Et il m'en fout de toi. Va te plaindre où tu veux. Je ne sais pas si quoi tu comptes faire de moi ici. Mais c'est la fin du film qui a fait pitié. Tu es une sorcière, c'est que tu as pas assassinant. Même moi, si j'étais assassiné, je ne peux pas admettre qu'une femme me fait ça. Je te donne tout mon argent. Je te montre tes terres, de tes maris, je m'occupe de ta famille, de tes aïeux, de tes ancêtres. Mais malgré ça, tu ne vois pas l'amour qui est pour toi. Si tu n'as pas me tromper des cas de moins que rien. Avant, peut-être, j'étais un moins que rien. Aujourd'hui, je suis. Je ne suis pas milliardaire, mais ici, assis. J'ai ma femme, j'aime ma femme. Mais tu as mal fini. Il ne joue plus aujourd'hui, non. Il va trouver club, grâce à Dieu. Il va mousser, grâce à Dieu. Il va trouver une vraie femme qui va l'aimer, grâce à Dieu. Et toi, on ne se fait pas du mal aux gens, hein, mais moi, c'est ce qui m'a fait. On a ensemble les femmes.